Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'épisode 10 de Minecraft Seigneur des Anneaux Rohan. Nous sommes en face de notre écurie du Rohan qui n'a pas changé depuis la dernière fois que nous avons enregistré une vidéo. Ça changera un petit peu plus tard, je n'ai pas encore l'intention de faire des changements d'intérieur pour l'instant. Aujourd'hui, ça va probablement être un épisode un petit peu plus calme que d'habitude. On va revenir un petit peu sur, sur le Minecraft, on va dire, classique. Voilà. Le Minecraft un petit peu classique. Puisque, rappelons quand même que Minecraft, c'est un jeu de survie. Du coup, on va essayer de farmer un petit peu. Ok. Voilà. Ok. Et mon objectif, du coup, dans cet épisode, va être d'apprivoiser un nouveau cheval. Hop. Ok. Ah, c'est très bizarre, j'ai le réflexe d'appuyer sur I pour voir mon inventaire. Je suis tellement habitué à jouer à d'autres jeux en ce moment que ça me vient automatiquement maintenant. Il va nous falloir de la laine si je veux me faire un lit. Ça me semble être très important de faire tout ça. Alors ça, on s'en fout. J'essaie de voir si je peux pas me libérer un maximum d'inventaire. Du coup voilà, un épisode un petit peu plus calme, m'en voulez pas, on peut pas non plus faire du contenu de haute qualité sans arrêt. Surtout sur un let's play qui s'annonce long. Toc. Du coup j'ai pas de bouffe sur moi. C'est plutôt ballot, tiens. On va prendre ça et ça. Ça, on s'en fout. Ça aussi. Ok. Bon, ça a l'air d'être bon. Ok, alors allons voir. D'ailleurs, pour time un truc, il me faudrait peut-être une selle. Ça pourrait être une idée. Le mec qui veut apprivoiser un... un cheval sans selle. Voilà, bienvenue chez Mordrain, hein, bien sûr. Toc, toc. Le craft de la selle, c'est quoi déjà? Déjà, il me faut du cuir. C'est pas évident. Tu veux bien... voilà, tu entres ou tu sors, mais... va falloir choisir. Ou tu sors ou je te sors, mais il va falloir choisir. Ok, voilà, on y est. Comment tu t'appelles toi d'ailleurs? Deortain, l'archéroïrim. Ok, alors, trouvons un beau cheval qui pourrait être notre ami. Tu veux être mon ami cheval? Dis-moi, tu veux être mon ami? Ok, toi t'es tacheté, je t'aime pas. Toi t'es joli. Toi, t'es un bel Azufel. Toi, je te sens Azufel. Bonjour. Aime-moi. Aime-moi, Meharas. Harod pourra confirmer que je suis un bon maître. Oh putain.
Je lui ai fait une écurie rien que pour lui, qui est gigantesque. Tu devrais apprécier. Allez! Ça va venir, hein. Moi j'y crois à fond. Et ben voilà! Nous avons donc un cheval Rohirrim que nous allons appeler Azufel. Je sais pas comment on renomme les chevaux. Quelqu'un m'a conseillé de faire ça. Et c'est une très très bonne idée. Voilà, ça y est, nous avons enfin un Méharas. Du coup, il va falloir. Ça serait cool de dompter un cheval qui ressemble à peu près à Harrod quand même. Un cheval un peu gris. Un cheval un peu gris-blanc comme dans les livres. Ok, alors. Je crois qu'avec 5 d'alignement Rohirrim, c'est pas suffisant pour. Voyez, par exemple, ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est des bons. Ce sont des bons Harrod. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que. C'est un peu. Comment dire? Merde, j'ai perdu le fil de ma pensée. Bon, tant pis. J'aimerais bien aussi lui crafter une armure de chevaux au Rohirrim. Ah voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. Certains m'ont conseillé de renommer mes chevaux et je trouve ça. Je trouve que c'est une très bonne idée. Faut juste que je me renseigne sur comment on fait. Alors, tac. Ouais. Ça serait cool de tuer. De tuer quelques. De tuer quelques Uruk-hai pour gagner de l'alignement de Rohan et débloquer les quêtes. Et je me sens un peu invincible avec mon cheval. Du coup, on va peut-être aller au-devant du danger. Ça, c'est le tertre qu'on avait exploré dans les épisodes précédents. Putain, lui, il garde bien. Il honore ses morts, hein. Ses aïeux. Comme le dit si bien Théoden, aucun père ne devrait enterrer, ne devrait avoir à enterrer ses enfants. Okay. J'ai des petits lags que je n'apprécie pas du tout. Qu'avez-vous à faire dans le Riddermark, Mordred? Me demandait Hostor. Écoute, moi je suis là pour le protéger des vils félons d'Uruk-hai qui rôdent dans le coin. Laissez passer! Au moins on a trouvé des moutons. Voilà. Ok, on est en Rohan ici, hein, pas à Moutonland. Non mais... Supportable ces gens. Joli petit... délai d'affichage des chunks. Putain mais c'est ouf! Ils ont complètement libéré le roi ou comment ça se passe? Ça aussi c'est le roi? Avec des arbres comme ça dégueulasses? Ah putain. Bon, bah écoutez, les Uruk-hai nous manquent, hein. Ah, on est niveau 17, ça c'est cool. J'aime bien découvrir que j'ai des niveaux.
D'autant plus parce que j'ai envie d'enchanter du stuff. Bon. Bah, je pense qu'il va falloir revenir de nuit hein, pour les... Oh, un poulain! Trop mignon. À mon avis, il va falloir revenir de nuit pour trouver des Uruk-hai. Ils ont l'air trop heureux pour sortir de jour. Là, j'ai quand même un affichage de merde. Hein. Bon, ça ne change rien. Tant pis. On va retourner à la forteresse du Gondor. Du Gondor, du Rohan. Qui ne nous apporte pas grand-chose, malheureusement, puisqu'on ne peut pas avoir de quête chez eux. Du coup, c'est bien dommage. Oh là! Fulgrim, le marshal du Rohirrim. Ok, il y a peut-être des coffres par ici que je n'ai point vu. Ok, les Rohirrim ça m'intéresse, les flèches aussi. Ouais, la laisse, pourquoi pas. Ah! Gléobéa me dit, j'ai entendu des contes de courage, de ton courage. Et de tes exploits à Mordrenne. Et pourtant, je dois m'assurer qu'ils sont véritables. Apporte-moi 24 os de wargs. Et je saurai si oui ou non, tu es véritablement un grand guerrier. Écoute, j'accepte ta mission. Ok. Ramène-moi 4 steaks. Bon, ça devrait être faisable. Tu 20 Uruk-hai, ça devrait être faisable aussi. Bon, par contre, les 24 trucs de Warg, c'est un peu OP, hein. C'est bon. Bon, j'en ai quelques-unes à la maison. Donc ça devrait le faire. Oh, t'es là, Azufel, putain, mais tu te fais chier à ce point-là pour passer par-dessus les remparts. Écoute, pourquoi pas. Allez, viens, on s'en va. Hop. Bon, toujours est-il qu'il va falloir quand même trouver ces fameux Uruk-hai et ces fameux wargs, hein, parce que pour l'instant, pot de zeb, hein. Alors, vous remarquerez le côté défensif hautement développé de cette forteresse, hein, clairement. Voilà. Vous passez les remparts comme si vous montiez des escaliers. On est sur le du bon du de la bonne architecture Rohirrim, hein. Là clairement c'est assez respectable. On ne peut que les féliciter. Ah c'est marrant, j'ai plus de j'ai plus de frame drops depuis que j'ai mis les graphismes en fast et pas en fancy. On va rester là-dessus. Alors, y a-t-il d'autres missions par ici? Voilà. Bonjour. Mon nom est Mordren. Je suis ici pour vous aider. Ok. 11 wargs, Uruk. Ça me va, étant donné que je suis censé avoir leur peau. En buter 11, ça me semble être la moindre des choses. Bonsoir. Que se passe-t-il ici? Rien de spécial. Bonsoir.
Ok, 10 lapins cuits. J'ai envie de dire, c'est dans mes cordes. Ok, bon, bah ça me fait plusieurs missions quand même à checker. Azufel, où es-tu? Alors si je pouvais siffler, je le ferais. Problème, c'est que je ne sais pas siffler. Enfin, en tout cas, dans le jeu. J'ai pas envie de siffler dans la vidéo. Par contre, ouais, va falloir te montrer, hein, Azufel, où es-tu? Oh putain. Oh. Parce que c'est pas lui. Hein. Ah, non, c'est pas lui. C'est pas du tout lui en plus. Ah, il est là. Non mais, est-ce que c'est vraiment le moment de. De rêvasser. Hop, un lapin. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Bon. C'est là-dessus qu'on va se quitter pour cet épisode. Épisode 10 de Minecraft Seigneur Zeno Rohan. J'espère que ça vous a plu. Dans l'épisode prochain, j'aurai checké le comment renommer un cheval. Et on va appeler du coup Azufel, Azufel et Arod, Arod. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah merde, ça se met ici. Ah bah parfait, j'ai de quoi terminer une mission. Bon, bah on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette aventure. Rendez-vous dans les commentaires comme d'habitude. J'espère que la vidéo d'explication d'ailleurs sur Arod versus Azufel versus Brego vous a plu. Et puis, oh, des ânes, c'est mignon. Et puis à très bientôt tout le monde, salut à tous.